Là, je trouvais que j'arrive pas à parler, oui. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul AliExpress. Je n'ai jamais fait sur ma chaîne alors que je commande tous les jours. J'ai toujours une commande en attente. Mais bon, là, j'ai quelques petits vêtements, des accessoires et tout. J'ai tout vous montré. Et c'est parti. Alors, premier échec, c'est un blazer que j'ai pris. Y a rien qui va, franchement, y a rien qui va. La couleur, c'est pas la bonne. Y a rien qui va. Je l'ai pris en 36 pour avoir un petit effet oversize, mais là, c'est même plus oversize. Là, c'est vraiment, je me noie dans le vêtement. En fait, là, c'est pas possible. Je trouve qu'il est mal taillé. Je trouve qu'il fait très tailleur pour homme, en fait, genre, tu vois. Et je trouve qu'il est archi mal taillé. Il est grand. En plus, ça pue la mort. Et voilà quoi, enfin je suis grave dégoûtée. Pourtant il était pas cher, je crois qu'il était à 20 euros. Enfin je me rappelle plus des prix, mais je vous mettrai à l'écran ou quoi. Mais franchement grave dégoûtée. Et du coup bah je voulais le mettre avec ce pantalon là. Vous voyez très bien que c'est pas du tout la même couleur, alors qu'ils sont vendus en tant qu'ensemble. Donc ouais. Donc j'ai pris ce pantalon que je trouve hyper beau. Là par contre je suis grave contente. C'est le genre de pantalon que j'achète jamais parce que je sais personnellement que ça me va pas. Genre soit c'est trop long ou soit la taille c'est bien, mais le pantalon il est trop long ou soit enfin il y a toujours un truc qui va pas. Genre, je sais pas. Mais là parfait pour mon 1m60. Il traîne pas, même quand j'ai pas de basket, il traîne pas juste par terre, donc ça c'est bien. Que je porte des talons ou des roses baskets, ça va le faire, mais je suis archi contente. Au niveau de la taille aussi c'est parfait, vous êtes très très à l'aise et tout. Et franchement archi contente. Et du coup je l'ai pris en 36, en S, je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà, archi contente. Et je l'avais commandé en vert, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous mettrai les infos au fur et à mesure sur mon Insta. Alors ensuite, petite robe. Alors ça, je suis un petit peu deg parce qu'elle est à taille trop grand. J'avais vu une fille qui avait fait un TikTok dessus, qui disait que oui, à taille petit et tout, donc prenez une taille au-dessus d'un an. Donc moi, j'écoute les conseils. Sauf que j'aurais dû vraiment la prendre en S, donc je suis grave dégoûtée. Au niveau de la taille, c'est pas très très bien centré du coup. Mais moi, je me voyais déjà en vacances et tout, petite terrasse et tout. Oui, parce que bon, les terrasses vont bientôt ouvrir, donc je me vois déjà. Genre, je me vois déjà en fit. Par contre, la couleur, elle est hyper belle. C'est une matière un peu crêpe, je dirais, genre tu vois, ça va, elle est pas transparente et tout. En plus, elle a des boutons tout le long, donc vous pouvez ouvrir et tout comme vous voulez à votre guise. Donc voilà, mais franchement, elle est super belle. Hein. Mais faut que je pense, je vais aller voir le tailleur. Ou... Alors, ensuite, on a un petit haut vert comme ça. Je porte jamais de vert. Enfin, la meuf qui est habillée tout en vert. Mais d'habitude, je porte presque jamais de vert. C'est un espèce de crop top et tout, un petit peu long. Et je trouve archi beau. Franchement, il est archi bien. Il est bien taillé. Je l'ai pris en S, je crois. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'étiquette. Ouais, je crois que je l'ai pris en S. Et franchement, il est bien. Après, c'est un haut que je porterais personnellement sans soutien-gorge, du coup. Et voilà, mais là j'avais des caches tétons, mais je trouve que ça se voit pas avec ce haut, comme il n'est pas transparent et franchement top. Alors, ensuite j'ai ce haut qui est trop beau, mais je suis un petit peu deg parce que il est déjà de 1, il est hyper court. Moi il faut savoir que je suis fan de crop top, donc en vrai ça me dérange pas, mais celui-là c'est une brassière en fait. Enfin je sais pas, mais c'est vraiment une brassière, il est dos nu. Ça c'est trop beau. Et ouais, il est hyper court et il est transparent. Et du coup, bah c'est un haut que je comptais porter. Bah du coup, ça se tient gorge. Mais les tétés là, les mamelons, c'est vraiment, on voit tout en fait. On voit tout. Là aussi, j'avais des cachetons, mais même avec le cacheton, on voit encore. J'ai essayé de trouver une solution parce que j'ai vraiment envie de le porter. Et franchement, il est super bon de qualité. Il est bien épais et tout. Donc ouais. Je sais pas, franchement je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement après il est archi beau, hein. Il est vraiment très 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 beau. Ensuite j'ai ce haut, ça aussi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Il est un peu en matière maillot de bain, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte à la caméra là. Mais franchement il est très 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 beau, je l'ai pris en M,
J'aurais pu le prendre en 36 aussi. Je sais pas pourquoi je prends du M à chaque fois. Mais ouais, j'aurais pu le prendre en 36. Ça, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Mais ça va. Après, comme ça s'attache derrière et tout, tu peux très bien resserrer si t'as une grosse poitrine ou pas. Si vous avez une grosse poitrine. Oh, j'arrive pas à dire. Si vous avez des gros tétés, faites attention. Voilà. Mais franchement, sinon, pour moi, mon bonnet C, ça va parfaitement. Et si vous avez une plus petite poitrine, ça fera tout aussi beau. Donc voilà. Franchement, allez-y, foncez. Et en plus, le marron, comme c'est tendance cette année, donc franchement top. Le dernier vêtement que j'ai à vous montrer, c'est cette chemise crop top. Encore une fois, mais je comprends pas pourquoi ils font des trucs courts comme ça. Enfin, ça suffit quoi. Elle est courte, mais tu, en fait, le problème c'est que tu lèves les bras déjà, on voit tes seins. Faut vraiment faire attention. Je trouve que au niveau de la taille, le cordon, c'est vraiment pile poil. Par contre, je suis grave dégoûtée parce que je pensais que le ici là ça se resserre, alors que non, en fait c'est juste cousu, donc tu vois. Donc bon, après moi pour ma poitrine ça va, mais si vous voulez vraiment que un décolleté un peu moins prononcé, je pense faut couper, en fait faut couper et t'attaches avec les fils quoi. Mais voilà, après sinon elle est bien, mais faut pas la porter en soirée ou quoi, ou si tu sais que tu vas bouger beaucoup, genre tu vois, parce que sinon Janet Jackson là t'étais à l'air, ça va aller quoi. On va passer aux accessoires que j'ai acheté. Donc tout d'abord les foulards. En ce moment je suis grave en mode foulard, chapeau, bob, casquette, je sais pas ce qui me prend, enfin je sais pas. Du coup vous avez ce premier foulard, franchement celui-là il est super beau. Je l'ai pris parce que j'avais pas de verre, j'ai pas foulard de ce style là. Donc voilà, celui-là il est hyper grand par contre, hein. Il est vraiment grand par rapport aux autres que je vais vous montrer. Donc les autres ils se présentent comme ça, comme ceci. Celui-là il est archi beau. Et voilà, franchement vraiment archi beau et tout. Et je crois qu'ils ont coûté entre peut-être 2 ou 3 euros, je crois. Comme ça, celui-là il est archi beau. Celui-là je l'aime trop. Et voilà, franchement il y a plein de motifs, plein d'ensembles et tout. Et top, franchement top. Pour l'été, si vous me voyez tous les jours avec un foulard sous la tête. Alors ensuite j'ai pris deux bobs du coup pour ma passion couvre-chef. Ouais, du coup celui-là il est taille petit, par contre il n'y a que deux tailles, genre il y a taille enfant, taille adulte. Genre il n'y a pas d'autres tailles et tout. Donc un petit peu déçu de celui-là, mais ouais. Donc franchement celui-là faut pas avoir une recette. Et celui-là aussi il est très bien. Donc en matière un petit peu crotelée. Donc voilà. Franchement très bien. Et celui-là, par contre, il est un peu plus grand, donc il taille mieux. Quelques lunettes de soleil. Donc je vais vous les montrer porter. C'est la première fois que je teste sur AliExpress. Donc vous avez celle-là. Genre je les ai déjà portées sur un post Insta. Donc si vous ne me suivez pas, mon Insta sera affiché ici aussi. Donc voilà. Très bien pour des photos et tout. Enfin, c'est pas la paire que je porterai dans la rue et tout pour voilà quoi. Mais pour quelques clichés photos instagrammables, c'est très 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 bien. Là, avec ces lunettes, je suis clairement à Miami dans les années 2000, en train de siroter mon milkshake à la fraise et tout. Je m'appelle Tanisha Brown, you know. Là, je rejoins mes copines et tout à la plage. Non mais je suis désolée, c'est vraiment une vibe. Elles sont trop trop belles. Et il y a plein de couleurs. Donc franchement foncez. La voici. Hop. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Pareil, c'est pas une paire que je porterai, je pense, dehors ou pas. Mais pour des clichés photos. Ah oui, 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 oui. Surtout comme ça. Donc voilà. Mais je trouve qu'elles arrivent quand même assez rapidement. Elles ont mis moins d'un mois à arriver facile, genre. Donc voilà, alors, franchement AliExpress, il se donne en ce moment, il se donne. Surtout que bientôt là, il y a des taxes. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Franchement, les taxes là, on en a assez, vraiment. Brexit, taxes, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dépenser notre argent tranquillement ou pas? Et du coup, j'ai des bijoux à vous montrer. Là, je vous montre ça, c'est la pochette où je mets tous mes bijoux. Du coup, comme je n'en ai pas beaucoup, je préfère mettre ça que avoir une grosse boîte à bijoux ou quoi. Donc voilà, il y a celui-là avec la lettre N, du coup, pour Nakad ou Naomi, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, elle est archi bien. Du coup, elle est comme ça, elle est réglable. Et du coup, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et franchement, elle est archi belle. Ensuite, du coup, je me suis commandé des bagues Nike que je voulais pour mes photos Insta que je poste dès que j'ai une nouvelle paire.
Donc voilà ce que ça donne. Moi je connais pas ma taille de doigt, donc je peux pas vous aider. Là c'est une... du coup là c'est une size 8 et là c'est une size 8 aussi. Genre moi ma size 8 ça me va très bien. Donc voilà, le swoosh il est vraiment bien fait, super bien fait. Je pense que vous allez bien voir parce que du coup vous avez plusieurs motifs de bague et tout. J'en ai une troisième, le swoosh est dégueulasse, mais vraiment il est horrible, il a été fait à main levée, c'est pas possible. Du coup aussi j'ai pris ce collier inspi Vivienne Westwood, je sais plus c'est quoi le nom de son collier, mais voilà, il était pas si cher que ça. Franchement ça a fait le taf, genre tu vois, si tu veux pas dépenser 100 balles pour un collier. Après les vrais ils sont très 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 beaux, hein. Mais voilà, je voulais commander celui-là avant de peut-être acheter le vrai. Mais franchement ça fait l'affaire de ouf. Et de bonne qualité. Ah oui, et du coup j'ai aussi un sac comme ça marron à portée épaule. Franchement il est bien, le sac est bien. Par contre ça c'est vraiment du plastique. Je pense que je vais la changer. J'ai essayé de trouver une autre chaîne. C'est quoi ça? Et ouais voilà. Du coup à l'intérieur, je l'ai jamais porté du coup encore. Mais à l'intérieur il est comme ça, pas si cher que ça. Ça va, il est arrivé assez rapidement, je trouve. Et franchement, top. Alors, du coup, là, je vais vous donner quelques listes de vendeurs pour les sacs et les vêtements. Donc c'est soit des vendeurs où j'ai déjà commandé ou des vendeurs où je sais que c'est bien et tout. Ils ont bien noté, etc. Du coup, bah, j'ai remis mes lunettes parce que la myopie, ça va aller deux secondes. Et du coup, là, je regarde mon ordi en même temps. Donc, du coup, pour les sacs, vous avez Left Side Official Store. Celui-là aussi, j'ai déjà commandé dessus. Donc, pour rappel, j'ai déjà une vidéo sur les sacs AliExpress. Donc, si vous voulez aller la voir, bah, je vous le mettrai dans le i. Et du coup, bah, dites-moi aussi si vous voulez une partie 2. Parce que je vois que la vidéo, elle marche bien. Donc, si vous voulez une partie 2, bah, ce sera avec plaisir aussi. Donc, voilà, il y a plein de sacs pour tous les prix et tout. Et après, faut tomber sur le bon. Mais si vous regardez les avis, ils sont de très, très bonne qualité. Ensuite, on a Fan Toye. De toute façon ce sera à l'écran, hein. Donc voilà, après vous avez dessus vous avez plein d'articles tendance, genre tu vois les robes à boutons la courte et tout, elles sont longues, la robe verte là qu'on voit partout, que toutes les meufs ont. Donc voilà, vous avez ça, vous avez plein de hauts sympas pour le printemps été là, vous avez plein de hauts, genre à dos nu, enfin il y en a un peu pour tous les goûts, enfin pour tous les goûts, pour les voilà quoi, enfin vous avez compris. Il y a plein de robes de top, les tops à bandeaux là que vous entrelacez là, enfin je sais pas, des petits décorsés et tout. Par contre celui-là je crois que j'ai jamais commandé dessus, mais les avis sont très bien. Donc ensuite vous avez FTLZZ. Je crois celui-là en fait je l'ai mis en favori parce que il y a pas mal de vestes en cuir, enfin en simili cuir du coup, qui sont assez sympas, dont celle-là que je vous montre à l'écran. Et franchement ils sont archi, ils sont bien notés, donc voilà, ils sont bien notés et j'ai l'impression qu'ils sont pas mal dans les vestes, les shorts et tout. Et voilà, franchement ils ont des vestes pas mal. Si vous cherchez des perfectos un peu original ou quoi, franchement allez-y parce qu'ils sont vraiment pas mal. Vous avez Traf, bah je pense que si vous êtes adepte d'AliExpress vous connaissez déjà, c'est clairement la copie conforme de Zara, franchement Zara. Vous avez aussi pareil dans le même esprit Xin Tao, hyper tendance aussi. Vous avez toutes les dernières nouveautés dès qu'il y a la nouvelle collection Zara, je crois la semaine d'après ou deux semaines après il y a déjà sur AliExpress carrément. Donc franchement celui-là aussi il est bien. Du coup ce que je fais moi c'est je compare les prix. Après ça se joue à quelques centimes, hein, mais bon si vous voulez peut-être regarder et tout, mais essayez aussi de comparer les prix entre les boutiques. Après vous avez celui-là, enfin j'ai pas essayé de dire ce nom là parce que c'est pas possible de le dire, mais celui-là j'ai jamais commandé dessus et je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans mes favoris, mais ça devait être quelqu'un qui me l'a recommandé ou genre j'ai vu beaucoup d'avis positif dessus, donc voilà, donc allez voir, faire un tour si jamais vous êtes intéressé. Vous avez aussi quelqu'un, enfin c'est quoi ces noms là même, oh là là on est fatigué. Pareil c'est un peu dans le style Zara et tout, vous avez plein de surchemises etc, donc voilà pareil aussi à aller comparer avec Traf et Xiaomi là, enfin des noms vraiment voilà. Et vous avez aussi Capito Moa,
Pareil aussi dans le style un peu Zara, etc. qu'on voit un petit peu partout et tout. Avec les pulls sans manches, les petits ensembles blazer et tout sur chemise, les vestes en cuir et tout. Pareil, celui-là aussi, je crois que j'ai déjà commandé dessus. Donc voilà, et vous avez plein d'ensembles, plein de robes aussi. Donc franchement, si vous voulez tester pour cet été, pour printemps-été là, franchement, allez-y, foncez. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah, j'espère que du coup, elle vous aura plu. Si vous voulez beaucoup plus de haul AliExpress, ce sera avec plaisir. Comme je suis une grande adepte consommatrice vraiment de AliExpress. Donc bah ouais, ce sera avec plaisir. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé sur AliExpress. Donnez-moi aussi vos noms favoris de boutiques et tout. Comme ça, j'irai voir ce qu'il en est. Et voilà. Donc n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.